22 marines tués pendant l'assaut. On n'a pas assez de moyens pour s'occuper de tous les blessés. On est peut-être plus sous l'emprise de Chang, docteur, mais ce n'est pas fini. On a besoin de tout le monde sur pied et prêt à se battre. Et Tombstone, capitaine, ils ne font pas partie des morts. Putain, très bien. Ok, quoi d'autre? S'ils ont été capturés, quelles sont les chances? Si Chang met la main sur eux, ça m'étonnerait qu'on les revoie. Votre mission à Shanghai, sergent Riker. Oh non, encore! C'était pourquoi? Mec! Mais quoi là, on peut pas parler là? Non, je m'assurerai pas sur cette chaise. Ah, c'est pas moi qui dois s'asseoir sur cette chaise. Quelle était votre mission à Shanghai? Kimble Irish Graves, sergent. Oh fuck! Laisse-le tranquille, espèce d'enflure! Malheur à votre tour, sergent. Restez avec moi! Oh mon dieu! Mais je vais m'en servir pour cogner sur cette salope d'Anna jusqu'à ce qu'elle crève! Elle est son fumier de mari! Son mari? Quel mari? T'as perdu la tête? Tu pourras pour demeurer. Le type avec des pansements. Je sais tout. Donc, il est vivant. Votre navire, c'est l'USS Valkyrie, hein? Quoi? Putain, mais de quoi tu parles? Vous ne savez pas qui vous avait fait sortir de Shanghai, n'est-ce pas? C'était le méchant? Oh! Votre méchant, chier! Oh, j'avais raison. Et il m'a dit, enlevez tes chaussures. Il a dit, enlève... Non! Riker, ils disent que c'est votre nom. Vous savez quelque chose sur Jinjay? Je les entends parler de vous, de Jinjay. Ils disent que vous savez quelque chose. Sergent, réveillez-vous. Vous êtes américain, souvenez-vous. Vous pensez que votre pays viendra vous chercher? Maman me parle, bordel de merde. Ici. Croyez-moi. Mec. Oh. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Non. Mais il y a des limites à ce que peut faire un homme seul. D'accord. Ah, j'ai eu peur. Tout d'un coup, j'ai cru que t'allais me violer. Tu sais, il y a des limites auxquelles les hommes peuvent faire seuls. Allez, sergent. Mais du coup, attends, je me remets un peu de mes... De tout ce que j'ai... C'est bon, je prends le couteau. Mais je peux vous dire que j'ai eu peur. Une chaîne ne vaut pas mieux que son maillon le plus faible. Voilà. Je vois que vous êtes fort. Et que vous avez les compétences qu'il nous faut pour sortir d'ici. Alors, je vous fais confiance. Vous comprenez? Ouais. Sauf si vous avez envie de respirer cette puanteur pendant les quelques heures qui vous restent à vivre. Et pourquoi t'as pété le tuyau? Quand vous avez survécu à une explosion nucléaire comme moi, ou que vous vous battez pour la liberté, comme vous affirmez le faire, vous ne pourrez pas mourir en prison. Je pense que cette prison est d'un de très mauvais mur. Un mur de très mauvaise qualité. Encore la prison ou la liberté? La liberté, c'est pas mal. Mais j'avouerai qu'il faudrait revoir un peu l'architecte de ces murs. Regardez où vous mettez les mains. Oh, d'accord. Hey les gars, salut à tous. Je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield 4. Dans l'épisode précédent, on avait réussi à faire pas mal de trucs et à surtout à atteindre. Finalement, ta gueule, laisse-moi, je parle. Tu n'entends pas, je parle avec tout le monde. En fait, du coup, nous avons essayé d'exploser les trucs et il se trouve que Anna, et finalement, Arish avait raison. Anna est une traître. Anna. Si je te vois, je t'enlève, je ferai te bouffer ton chapeau. Sur le côté, il faut sauter. D'accord.
Ah, d'accord. Eh, hey, mais mec, tu sais que j'ai joué beaucoup à Mirror's Edge. Donc je peux très bien le faire. Yeah. Allez, Marie, sur les canalisations, sautez. Ouais, mec, t'inquiète, j'arrive. C'est pas des canalisations, ça, par contre. Enfin, ça ressemble à des câbles électriques, un peu. Mais écoute. Ah, juste là, d'accord. Allez, faut qu'on y aille. J'ai failli tomber, mais le mec s'en fout totalement. Je pensais que le maillon le plus faible de je sais pas quoi était... Enfin bref. On retient. Allez, on y va. Et mec, je pourrais te stab dans le dos tout de suite, là. Hein? Qui me dit te faire confiance? Bien. Si on reste ensemble, on survivra. Ok, ça marche. Je te crois, mec. Je fais plus confiance qu'à Anna. Maintenant, attention. Si vous prenez une balle, je pourrais rien faire. Un marine mort ne sert à rien. Ah, ça sert à rien de me le dire. Parce que quoi que si, tu sais, moi si je me mets caché dans un coin, je régénérerai ma vie. Par contre, toi, je ne suis pas sûr. Ah oh oh oh, goddammit. Non mais attends, il y a deux trucs que je déteste dans les égouts et dans les prisons. C'est les tuyaux qui pètent, comme ça. Ça fait super peur. Je pense qu'il a eu. Et moi je récupère. Ah non, je peux pas. C'est pour lui. Allez, sergent. C'est bon de trouver un but. De faire ce que je fais de mieux. D'accord. Mais je crois que tu vas mourir avant même. Oh. Est inespéré pour moi. Je pense que tu vas mourir avant même d'arriver en bas. Beaucoup d'agitation. La tour au centre permet de débloquer tous les verrous manuels. D'accord. De là, on peut ouvrir toute la prison. Maintenant, attention. Donne-moi ton sandwich. Garde mon silence. Et donne-moi ton arme aussi. Elle est où ton arme? Oh, fusil à pompe. Ça fait beaucoup de bruit par contre. Fais-moi couvrir, grimper et neutraliser le verrou. Ok, ça marche. On va rester discret. Éviter les projecteurs. On va faire de l'infiltration, les gars. On va donc se diriger derrière cet ennemi ici. Qui semble. Il n'est pas du tout au courant de ma présence ici. Ouais, t'es gueule, je suis en train d'essayer de. Wop. Je suis en train de poursuivre cet homme. Oh. Dima? Oh les gars! Vous savez c'est qui? C'est le personnage dans Battlefield 3. C'est Dima, on le jouait dans Battlefield 3. Oh, c'est excellent. Je ne pensais pas qu'ils allaient nous mettre un personnage de 3 en fait. Ah bah oui, la bombe nucléaire, c'est quand c'est l'explosion nucléaire qu'il y a eu à Paris. Tout simplement. Ah, c'est excellent, franchement. Je pensais pas qu'il allait y avoir un rapport entre les deux jeux. Mec, il va pas se retourner lui, hein. Ah, d'accord. Bon, je fais de l'infiltration, mais je sais pas trop où je vais, hein. Donc on va s'infiltrer doucement. Je vais potentiellement peut-être retourner à côté de mon ami Dima. On va se cacher juste ici. Merde! Non! 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 Ah! Infiltration, ça marche pas pour moi, hein. Donne-moi ton sandwich! Eh, au moins de sommet de la tour, les gars! Au moins de sommet de la tour! Donne-moi ça! Donne-moi ton dog tag! Allez, active-le! À savoir si. C'est même pas si c'était possible de faire une infiltration. Mais bon! Dans le doute, on va dire non. Hey, mais qu'est-ce que tu fais des prisons chinoises? Je comprends pas. T'as été arrêté par les forces françaises, non? Oh merde! D'ailleurs, je crois que son discours du début, hein, il avait déjà dit dans Battlefield 3. Parce que à la fin de Battlefield 3, on tue notre colonel.
afin de pouvoir arrêter les explosions des bombes à Paris et à New York, il me semble. Ah, vous faites chier, les gars. Voilà. Parce que si je reste en une minute de plus là-bas, ils vont continuer de me faire chier. Non, 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 non. Oh merde! Oh mec! Oh mec! Ah! C'est bon, j'ai réussi. T'inquiète, Irish. Je suis là, mec. T'es un pote, toi? T'es qui, toi? Où est-ce qu'il est passé? Pas question que je me tire sur lui! Il est mort, non? Allez, faut y aller. Viens! Ok, on y va. Attends, mec, je vois une... Où est-ce qu'ils l'ont emmené? Ah! Comment ça? L'ascenseur est droit devant. C'est la seule sortie. Pas question de partir sans Pac. Que ce soit bien clair, je ne vais pas mourir ici. Qui m'aime me suit? Ok, mais dis-moi, je t'aime beaucoup parce que je t'ai beaucoup apprécié. Ah! Nettoyer le secteur. Je t'ai beaucoup apprécié dans Battlefield 3, mais... Je vais pas partir sans Pac. Il raconte des bonnes blagues, ce mec. Et en plus, il a un petit côté de... Un petit faux air de... De Joey Triviani dans... Dans Friends. Ok, les mecs. Réussir, vous inquiétez pas. Wow, en fait, vous voyez cette arme, elle a une espèce de recul vertical assez impressionnant. Je fais rien là. Je vise simplement l'ennemi et je tire en full rafale. Et elle bouge vraiment dans tous les sens. Hein. Donc, faut vraiment aller avec des petites rafales maîtrisées. Je fais le tour. Hey mec, tu sais quoi? Je vais prendre ton dog tag, mec, parce que ça me faisait plaisir. J'ai vraiment aimé me battre contre toi. Et j'avoue, ton dog tag, c'est la chose qui me fait plus plaisir au monde. Eh hey, les gars, vous pensez vraiment pas m'avoir comme ça? Je suis un super soldat. Vous savez ce que c'est, un super soldat? C'est un mec... Oh, fuck! Oh, ok, c'est bon. Bon, là, par contre, super soldat ou pas, je vais mourir. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ma vie... Là, ma vie, Harrigène... C'est une technologie américaine, vous savez. Tous les soldats américains possèdent cette technologie. C'est-à-dire, on se fait tirer dessus, voilà, on se cache, et ça régène. C'est trop facile. Où est-ce qu'on va? C'est le bon chemin? Oui, pourquoi nous aider? Je ne vous aide pas. C'est vous qui êtes en train de m'aider. Ok, d'accord. Là, aidons-nous ensemble, tous ensemble. Hé, hey, mec. Vous êtes passé juste à temps. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici. C'est qui, lui? C'est mon partenaire. Votre partenaire? Ouais. Il est fiable? Très. On est où? À Singapour, c'est ça? Je ne sais pas. Elle était bonne. Votre amie plaisante. Comment ça, en plaisante? Je suis Irish. Et voici Riker. Pac. Oh, merde, c'est vrai. Vous savez ce qu'il y a là-haut? Paris, non. On est où alors si on n'est pas à Singapour? Vous pigez pas. Non. Vous pigerez bientôt. Merci de garder le suspense. Avec toi, on peut. Qu'ils passent les premiers. On ne va pas se spoiler, ça c'est sûr. Va falloir suivre ce type. Mais putain, j'ai pas confiance. Si, fais-lui confiance, il était dans Battlefield 3. C'est un mec de confiance. Forcément. Oh, regardez les gars. Alors là, c'est vous avez mal fait de mettre ça ici, parce que maintenant, je peux récupérer les armes que je veux. Et j'ai envie de me la jouer un peu... Rambo, on va dire. Et on va récupérer aussi, parce que ça, je la déteste totalement. Ah, MX4. Eh, hey, les mecs, c'est pas ma gueule. Oh, désolé. Non, désolé encore.
Y'a personne? Eh, hey, c'est bon. C'est pas ma gueule. J'ai l'impression qu'il m'ignore totalement. Alors ça c'est pas... Oh, wow, 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 wow. C'est pas ma guerre, mec. C'est pas ma guerre, mec. C'est pas ma guerre. Pas... Vous comprenez donc pas. J'ai l'impression d'être dans Crysis. Maximum armor. Maximum armor. Ah, donne-moi ton octag. Voilà. On va se cacher ici. Bon. On m'a dit aussi d'augmenter ma difficulté parce que peut-être que le jeu était trop facile, je suis un normal. Mais je pense que le problème avec ce genre de jeu, c'est qu'elle est assez mal réglée. Ce qui fait qu'en mode difficile, le jeu serait en fait ultra difficile. Et je passerai mon temps à mourir. Et je finirai jamais le jeu. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Dites-le moi, comme ça je saurai, comme pour l'épisode de, pour le prochain épisode. Ça pourrait être marrant. Mettez-le dans le commentaire, vous me dites si vous voulez que je mette en difficulté plus élevée, parce que là c'est vrai que c'est peut-être un peu abusé. Mais bon. Oh bah c'est marrant. Bon les gars. Pas que mais. Moi je vais sortir de. Eh hey, mec. C'est pas poli de pas se mourir quand on te tire dessus. Où il est? J'ai cru que je pouvais tirer dessus. Ah! Ah! Non! Ça a pété, ça a pété! Et merde, ça a pété. Mec, allez, donne-moi ça. Comment ça, Gundam Saman? Qu'est-ce qu'il raconte? What? Hey, donne-moi ça. Donne-moi le doctag. Oh!
Fais-moi ça, toi. Hey, ça marche encore une fois. Le même bug que la dernière fois. Si on essaie d'avoir un gars dans un coin, c'est pas possible, ça marche pas. C'est abusé. Non. Donne-moi ça. Donne-moi ton dog tag, mec. T'as rien compris à la vie, mec. T'as rien compris à la vie. Bon ben, au moins la zone est nettoyée enfin. Bah enfin bref. Wow mec, je suis passé devant toi sans même te voir. Donne-moi ça alors, donne-moi ton dog-tag. Comme ça on n'en parle plus. C'est bon. Maintenant, salle de contrôle. Salle de contrôle. Putain, c'est où? À côté de la porte. Pas de panique, la Merlock, je peux réparer ça. Allez, on y va. Là-dedans. C'est où? Ok, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ouais, j'espère que ça vaut le coup. En vrai, ça craint. Ça craint du boudin. Mais ça, les amis, vous le verrez dans le prochain épisode. Alors, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à rajouter la vidéo à vos favoris, et surtout, à vous abonner pour ne pas rater la suite. A bientôt, les amis. Lolo.